250 000 euros. Et plus que 2 jours. C'est très peu. Encore une fois, tout ne s'est pas passé comme prévu. Une perte considérable sur la méthamphétamine. Malgré le fait qu'on a su fournir un gros paquet de boîtes. Le bénéfice était bien maigre, dû à une erreur de ma part. Le chasseur de trésors nous a permis de sortir avec une journée plutôt correcte. Mais pas assez. 5 jours, et à peine 25% de l'objectif accompli. Comment trouver 750 000 euros? Ok, je fais venir plus de potes et on farme tout ce qu'on peut. Tout ce qui rapporte un max d'argent, on le fait. On boucle un quartier et on se concentre sur l'objectif. On laisse rien tomber et on rattrape toutes nos conneries. Il me faut une voiture, mais pas la Mini. 50 000, celle-là je veux l'acheter, elle coûte 50 000. Vous allez voir pourquoi je veux l'acheter. Il me restera 190 000 euros, on est d'accord. Donc du coup j'ai investi 50 000. Là ça fait mal, vous allez me dire mais t'es bête ou quoi. Mais non, vous allez comprendre. Que ça on va s'utiliser pour porter les caisses en fait. Ok, donc là j'ai ça, bon il nous reste 190. Et vous êtes passé où? Là on a aucun calice, juste à côté, vas-y passe, va vers l'extérieur de la ville. Je me suis cassé la ville là, c'est bon. Le après, tunnel qui est du côté garage. Attends, il nous faut quoi? Il nous faut du carburant aussi. Il faut... Ouais, du carburant et papier encre. J'ai acheté 2 bacs. On va raconter les coups pas sur la voiture. Oh merde. Non. Comment je devine? Je me disais que des boules de neige qui tenaient alors qu'il fait soleil. Clairement, c'est qu'il y avait un souci, et c'était chimique, vos trucs. Bon, est-ce qu'on peut se barrer du okay. De la ville, quoi? Ouais, c'est bon, j'ai récupéré. Pour bon, c'est les flics, on est à la merde, mais. Oh, t'inquiète. Oh non! Pardon! Pardon, tiens! Mais je me fais tirer dessus par les flics! Pourquoi? Parce que j'ai fusillé des gens. Ah oui, parce qu'il avait sa crise Victor, mais pourquoi déjà il tire même? Ok, bien, j'en ai rien à faire. Hein. Mais y'a plus de flics. Oh, vous êtes des bâtards, hein. Vous êtes barrés, je suis à pied moi. Donc là, on est d'accord que je suis tout seul comme un con avec une arme, coursé par la police là. Ah bah, non, là on s'est barré nous, hein. On te laisse, hein. Et je t'ai sauvé la vie, oh. Oh, y'a rien, attention. Ouais, t'inquiète. Attends, où est-ce qu'on va aller en vrai de vrai? Ouais, quelle est la question du jour? C'est quoi, vas-y, pour une fois on n'a pas été là-bas, vas-y, on va le faire. Vas-y. Alors, quand tu dis vas-y, y'a 2 choix, c'est soit la prison, soit le quartier riche. Quartier riche. Juste la maison qu'on va prendre, ça va être. Moi je dirais tout au fond à droite, non? Zertek, attends, j'ai une question, t'as récupéré de l'argent? Non mais il y a le quincailler juste à côté. Ah ouais, c'est vrai, bah. Ah, d'accord. Zartek, les policiers. Eh ben... Mais c'est Léo, mais qu'est-ce qu'il faut avec une voiture de flic? Mais je t'ai dit que je l'ai volé. Ils vont rechercher la voiture de police, ils vont se dire où aller, bah elle est là. Voilà. Ils vont pas venir fouiller ici s'il y a déjà des flics. Par contre, le problème c'est que bah, je peux pas faire maquiller la voiture, elle est pas à moi, donc je la laisse là, hein. Vous démerdez. Hein. Non, bouge-la de là. Non, mais s'ils recherchent une voiture de police, ils se disent une voiture de police abandonnée. C'est une trop bonne idée, parce que justement, ils vont croire qu'il y a déjà des flics en train de faire une descente ici ou que c'est en contrôle, ils vont pas dire qu'on va fouiller la maison. C'est stratégique. On fait des barricades ou on fait pas des barricades? Moi je suis expert en barricades, hein, professionnel. Zertek, je te fais des barricades, t'es content, hein? Les printers, par en contre, vrai, Léo, c'est pas mal. Je t'attends. Bon, Zertek, tu te démerdes, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fermé toute la porte à clé, on est à la rue depuis tout à l'heure. Ah merde! Bah attendez, déjà je vais retirer de la thune. Bah, je fasse quoi? Je fais la weed, je fais les printers, je fais quoi? Let's go, viens. Mais tu vas commencer la weed. Moi je mets les printers en place, la viteuf. Viens, il faut qu'on aille retirer. Il nous faut du carburant. Vas-y, mais je vais retirer. En vrai de vrai, je retire tout. Oh, écoute, je prends 30 carburants, ça te va? Non, vas-y, j'en prends 15. Attends, ça c'est pour la weedas. Oh tiens, et là tu bombardes avec ça. Et là j'ai sorti toutes les thunes qu'on avait, hein. Là vraiment, ça va être chaud. Il faut vraiment qu'on récupère un bloc, hein. J'ai 0 sur le compte en banque. Donc là on est d'accord que si je fous une C4 dans la maison, la série est finie. Bah t'es ban. Ah. Police nationale. Ah oui, donc il y a tous les raids devant la maison. Attends, on va voir s'il vient nous faire chier. C'est peut-être pas pour nous, hein. Moi je suis vraiment recherché par contre, mais puis il va nous causer des problèmes, je te le dis, les AirTag. Ah bah il se barre. Ah, il y en a une autre voiture de flic qui arrive. Après on parle pareil, c'est même pas pour nous qui viennent. Bah ils ont quand même fait le tour effectivement, comme tu l'as dit, pour aller chercher la voiture, hein. Y'en a des flics, dis-moi. Là, j'améliore au max, les gars. Bam! Ils vont rendre dingue, là. Nouveau voisin, côté de la palissade que je viens de construire. La voiture de flic, je te rappelle, elle est visible. Le mec, il va juste à l'entrée, il voit la voiture. Mais non, en vrai, non, avec l'angle, tu la vois pas. Hein. Mais là, dans le buisson. Oui, bon, okay. Je vais construire un garage. J'ai mis le 4 sur le toit. T'as un pote garagiste? Faut jamais faire confiance au gros. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi on est en train de me dire que t'as mis le pick-up sur le toit? Regardez, il a cassé. Oh putain de merde! Oh, le pas fait exprès, Zertek. Allez, je te déteste. Les flics, ils ont barricadé tout le quartier. Alors, oh, problème. Mec, il faut que tu te grouilles ta race. J'ai 19 de vie. Arrête-toi d'abord à l'hôpital. Oh non! C'est où? Tout droit.
C'est la vita lunaire. La route est barrée. Oh putain. Je suis mort. Je crois que le raid a lancé là. Barre-toi, ça fait barre-toi. Je suis dans la merde, les gars. J'ai trop de vie. J'ai trop. Ah un gosse qui m'a fait chier. Je suis mort à 100 mètres de l'hôpital. Je suis deg, les gars. Je suis deg. Ah, j'ai les boules. Mais attends, t'es mort avec combien de sous? Avec 7000. Oh, ça va, tu m'as fait peur. T'avais tout récupéré. Non. Je te vois, ils sont en train de te ramasser là, la petite cuillère. Ah, ouais, ça dépend. Ouvre-moi, s'il te plaît. Pourquoi y'a quelqu'un qui est mort là? T'inquiète. C'est pour la weed. Qui est toujours dans le truc ou pas? Il s'est passé quoi là? Pourquoi j'ai un cadavre qui a pop devant moi? Il est pendu à la fois. Il y a un mécano. Ah, le mécano c'est pour moi, c'est pour la voiture à l'envers normalement. Et il y a un mec avec lui. C'est quoi tous ces mecs devant là? Le mec avec lui c'est le journaliste. Il veut quoi lui? Bon, j'en sais rien, c'est une patrouille. Ouais, patrouille. Il y a encore une voiture qui vient vers chez nous, ils veulent quoi, wesh? C'est moi. Ah, désolé, je fais que voler des voitures donc au bout d'un moment j'ai toujours une voiture. Comment t'as volé la voiture? Il y a un assaut, je crois, dans la maison d'à côté encore. Je sais pas, ils sont arrivés avec les gyros. Attendez. Moi je suis en train de créer des diversions pour pas que tu te fasses emmerder. Content. En gros, il va tirer sur les flics. Les flics, ils sont là-bas et ils font paillèche. Ils sont derrière, ils sont partis à une autre maison. Moi, je te dis, dans pas longtemps, tu vas voir. Ils vont être tellement concentrés, ils vont ramener le raid à cause de Léo, tu vas voir. Il y a les deux là, les deux en bas, ils veulent quoi eux là? Ils arrêtent pas de tourner depuis tout à l'heure en bas là. C'est moi, qui je peux, faire, je peux leur faire peur. Il y a les flics à côté. Attends. Je suis dans la maison d'en face. C'est pas vous qui vous ferez emmerder justement. Mais oui, ils vont venir nous emmerder sur le côté. Autant les laisser. Pourquoi on leur tirer dessus là? Il a sorti son arme. Tire. Mais non, il t'a vu, MDR. Mais mec, là, t'as pas le choix. C'est soit tu qui tous, soit ils reviennent avec des forces. Hein. Je suis cerné. Je voudrais bien t'aider, mais frérot. T'es dans la merde, il y a le raid. Ils sont rentrés dans le protection MDR, mais il veut quoi lui? Oh non, mais bouge de là, lui, il fait quoi lui? Oh, bah, t'es mort. En tout cas, qu'ils viennent pas vous dire que c'est chez vous, hein. Il y a aucun rapport. Attends, ils t'ont tiré dessus? Non, il a pas fait. C'est la guerre un peu chez vous, non? Attends, je vais aller voir un supérieur. Ça fait de la fumée, je crois qu'il voit. Eh ben oui, putain! On fait des crêpes, ça fait quoi? T'as jamais cuisiné ou quoi? Des crêpes avec un moteur diesel, moi pas trop, tu vois. Mais non, c'est parce qu'on a une coupure de courant, donc on a un groupe électrogène. Et en plus, il y a Jacques qui est en train de passer la tondeuse. Bah, va vérifier ta queue, toi. Ah, mais ils me tirent dessus, MDR! Mais c'est qui eux? Je comprends pas. Vous en pensez quoi des flics, les gars? Des flics qui viennent là? Ils sont pas prêts à voir qui arrive là. Le mec m'a quand même dit, il y a un bruit de moteur. Monsieur, c'est suspect. Un moteur, c'est suspect. Ça peut tout et n'importe quoi. Je te jure, ça fait trop le bruit de la tronçonneuse en plus, hein. C'est même pas moteur. Hein. Attends, je t'ai aperçu. Décale-toi un petit peu. Vas-y, décale-toi un tout petit peu. Attendez, celui-là il est amélioré au max. Celui-là n'est pas amélioré justement. Une fois qu'ils vont tous être améliorés, les gars, ça va être une dinguerie par contre. Hein. Vraiment. Il s'est passé quoi? Pourquoi il y a une voiture qui a volé? Là, les gars, on vient de me demander combien de thunes il y avait de fait. Alors, les gars, on a dépensé tout notre argent. On a plus d'argent. On a zéro. Mais j'ai 4 printers full évolués. On a la 8 qui tourne en bas. Donc, du coup, on va avoir beaucoup d'argent. Je pense qu'on pourra s'en faire pas mal. Très vite. Pourquoi j'entends une voiture avec une roue crevée là? Moi, c'est bon. Je vais partir avec tes deux roues crevées derrière. Là, je vais changer ma voiture, je vais prendre quelque chose d'un peu plus vénère. Il est mort, par contre, mais il est parti. Après, je me disais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bah ouais. Vas-y, je suis là, tu m'ouvres en deux, Mich. Mot de passe? Flipendo. Oui, mais attends, mais Zartek, c'est ta voiture, j'espère. Oui, pourquoi? Ok, je fais comment pour après transporter mes blocs de weed, s'il te plaît? C'est pas, j'ai zappé. Il y a 3 JJN, il y a des voitures de flics qui bloquent le quartier riche au fond. Oui, bonjour. On est pas en toute la personne derrière vous en bleu. Ah bon, une plainte de qui? Ben, on attend la lettre de convocation alors, monsieur. Bah, monsieur. Ouais, je dans une ruelle. J'aimerais que vous retiriez vos barricades, vous êtes en mais il met 5 minutes à sortir. Ouais, il me chauffe le flic, wesh. Monsieur, envoyez-nous une lettre, on ira comparaître pour ça aussi, monsieur. Ben non, monsieur. Retirez, soit on intervient. Soit vous retirez, soit on intervient. Vous pouvez pas intervenir comme ça, monsieur. Toi, écoute-moi bien, toi, tu vas prendre une sacrée balle dans la tête. C'est facile de parler derrière une barrière. Ouvre la barrière et je rentre. Vas-y, rentre. Ouvre. Je te remets. Je te jure, on t'éclate, t'as compris? Collègue, il est mort. Tu vois là, ta petite poulaille là-bas derrière. Les flics, bah écoute, vas-y, va voir ma main. On m'a tiré dessus. T'es un petit bourgeois, toi. Allez, va.
Monsieur, arrêtez de nous menacer, arrête. Monsieur, il nous menace. Il nous menace pour qu'on ouvre la porte, monsieur. Il nous menace pour qu'on ouvre la porte. Il nous fait, ouvrez la porte, bande de... Monsieur, ils m'ont dit, ouais, dégage, je veux pas te prendre une balle dans la tête. Le gros, il m'a dit... Monsieur, écoutez-moi, juste deux secondes. Pour le monsieur là derrière, si vous voulez, il est venu, il nous a dit, j'ai ramené mes petites salopes, là, ouvrez-moi, sinon je... Bah, faites pas l'innocent, mec, vous le mettre dans la sauce, lui. Vas-y, va suivre ton chien, allez, bon toutou. On se reverra. Eh, il me provoque, monsieur, vous l'entendez, monsieur l'agent? Ouh! Eh, ça, ça fait plaisir, les gars. Mais il y a les flics, c'est pareil, ils ont un mandat de perquisition. Hein. Eh ben, si ils ont un mandat de perquisition, ben on va se fight. Hein. Ils sont là pour nous arrêter? Oui, mais non, on est dans la merde, on a pris un policier en otage. Léo, il était en train de braquer. Je tire ou pas? Dites-moi. Non, on a pris un otage. Je suis la fenêtre, c'est le petit con, ça. J'ai envie de lui mettre une balle à la tête. Certes que dans la maison, je t'ai envoyé un flic, tue-le, s'il te plaît. Frérot, ils vont appeler le raid là. Zartek, on peut s'enfuir par la maison d'à côté. J'ai construit une rambarde là pour passer de l'autre côté. On abandonne tout de A à Z. On y a pied. Hein. On va chercher un ATM à pied. Je récupère toute ma thune. T'es chaud ou pas, Zartek, à tenter le possible? Bougez pas. Ça fait chier, à de la weed et tout. Mais on l'a vendu perdu. J'ai 90 000. Ouais, mais non, pas du tout, mec. On a commencé à 240 000, mec. J'ai que 90 000 là. Ah oui, c'est ça. On a pas du tout. Il y a le raid qui arrive. Oh, il y a le raid. Ouais, voilà. On tire maintenant. Ils vont être 50. C'est chaud. C'est très très chaud là. Vas-y, écarte-toi du truc. Oh les gars, je suis mort. Ils ont eu la même idée que moi, ils sont passés par la maison. Mais où y'a fou personne? Là on est dans la merde hein. Oh l'idée de certes. Toi à l'entrée. Non, en vrai c'est vrai que c'est abusé. J'ai fumé un raid. Faut continuer. Oh non, c'est un rollback. Ils sont dans le jardin les flics hein, chez vous. Oh mais mec, y'a des citoyens! Y'a des citoyens! Un de mort! Je crois qu'il y a des citoyens, si, il reste du monde! Go qui tire! Touché! Ah, l'entrée du camion! Touché! Moi je suis au milieu! Je peux tirer dessus! Je crois qu'il est mort! Mort, raid mort, je crois! Et là, je l'ai pas touché là! Regardez la vie qu'il m'a enlevé en une balle, lui, par contre! Bah, c'est bon, on a neutralisé tout le monde là! Je crois que c'est bon! Hein. Ouais, c'est bon! Alors, c'était une mauvaise idée! Vas-y, on rentre à la maison! Parce que moi je veux. Pourquoi t'es mort? Dis pas que t'as pris tes ricochets et que t'es mort toi-même, là. Mais je crois que oui. Oh oui, gros. Quel merdier. Bah Zartek, du coup, j'ai deux blocs de weed, mais je pense pas qu'ils vont être rentabilisés. Allez, mais tu viens, tu dépêches, voilà. Tu rentres avec nous. Non, mais lui, on s'en charge, lui. On a quelques contentieux avec lui. Allez, monsieur, on rentre. Non, on rentre. Allez, dépêche-toi, on rentre. Ok, bon, alors écoute-moi bien. Genre, tu vas rester là, tu vas plus bouger, toi. Qu'est-ce que tu fous chez toi? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voler des voitures pour nous. Et t'auras un pourcentage. Sois déjà content d'avoir un pourcentage. Ok, le mec là, je l'ai libéré et je lui ai dit qu'il allait nous chercher, nous voler des voitures pour les démanteler. Frérot, t'as pas besoin de lui dire, frérot, on a déjà trois véhicules volés devant chez nous. Mais oui, mais il va en chercher d'autres. Bon. Si je te dis, Zartek, qu'il y a actuellement raid des polices devant le bâtiment parce que il y a un Léo sauvage. Ok, ben moi je dis temporiser, j'arrive par derrière. Mais oubliez pas ce qu'il y a traité de paix sans le drapeau blanc. Traité de paix avec les flics. J'ai cru qu'ils ont brouillé les voies. Ok, moins un. J'ai full bugué par contre. Moins un. Moins un, là tu es où? C'est toi Zartek? Il est mort? Non, je suis mort. J'ai 20 000. J'en ai tué un et le raid, je pense qu'il est très, il a très très peu de life. Non, il est trop cher les raids. Encore une fois un désastre. Malgré le fait qu'on soit plus, on réussit quand même à perdre de l'argent. C'était l'avant-dernier jour et on se retrouve à moins de 200 000 euros. On finit le sixième jour à 166 000 euros. C'est vraiment la merde.